qu'on va faire le deuxième niveau de l'espèce. Je suis une espèce. Je peux pas dire que c'est un dépotoir, mais au final, j'ai l'impression que c'est comme un entassement de plein de caisses qui sont ensemble. Ça peut être comme un dépotoir, mais en même temps, un dépotoir, je trouve ça un peu dévalorisant. Là, je sais pas ce que le monsieur fait en tant que tel. C'est juste un homme qui dit que personne ne le voit. J'ai l'impression que c'est comme un. J'allais dire un Forever Alone, mais je trouve ça méchant quand même de dire ça. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, ce personnage-là. Tu sais, les autres, il y avait comme par exemple le pompier qu'on a vu il y a pas trop longtemps, puis il y avait aussi le clown. Qu'il voulait déclarer sa flamme à quelqu'un. J'allais dire sa femme, mais c'est pas exactement la même chose. Mais là, pour lui, j'ai aucune idée. En gros, c'est juste qu'il va être tout seul, c'est ça? On va peut-être avoir une histoire plus poussée, on va voir dans pas long peut-être. Qu'est-ce que c'est cette habileté? Bol tigre! Qu'est-ce que ça fait de bon? Si je reste immobile, ça me protège? Puis ça, normalement, ça devrait pas me toucher, c'est ça? Ok. Je vais te lire dans pas long, Dreamer, je vais juste me concentrer sur cette mini pause de plateforme. C'est quand qu'il commence à avoir plein de choses qui me tombent dessus. C'est là que des fois ça devient un petit peu plus complexe pour essayer de bien enchaîner les trucs. Non mais, la statue s'il te plaît, merci. Merci caméra qui me cache avec un autre truc que je voyais pas c'était quoi. Et je vais pouvoir te lire dans 2 secondes. Et voilà. Ouais, c'est bon de rester concentré. Ben, juste que des fois, il y a des moments que je peux quand même regarder à côté et tout ça, mais il y a d'autres moments que je me dis que c'est un peu plus difficile. Ça dépend tout le temps de qu'est-ce que je fais. Mais tu disais que t'avais pas continué pendant 2 semaines et en le reprenant, j'ai vu plein de choses que j'avais pas remarquées. Ah oui, bah oui, voilà. Puis probablement qu'il y a des trucs que t'aimais pas, que probablement qu'en les revoyant, tu t'es dit, ah ben finalement, c'était pas si mal que ça. Ça aussi, je suis certain que des fois, ça peut t'arriver. Des fois, on est dur envers soi-même aussi. Puis des fois, c'est ça que quand tu montes à quelqu'un d'autre, il est capable de te dire un peu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas aussi. Ça peut aider aussi. Ok, les plateformes qui tournent, sérieusement, ça commence à. Je comprends le principe des plateformes qui tournent, mais à un moment donné, il faut que ça l'arrête, les plateformes qui tournent. Ouais. Là, je reviens sur mes pas, oui. On va juste. Non! Ouais, c'est ça, tombe invisible. La merde. Ça, je peux pas passer au travers. Bon, allez, ici. Trophée, le trophée, le trophée, la statue. Wouhou! Ok. Vraiment, le niveau, il est tellement space. Genre, je peux même pas te dire un peu c'est quoi l'environnement, tellement que c'est comme. J'ai aucune idée vers quoi que ça s'en va. Et ça, comme je disais, j'ai pas envie de me battre contre les. Pas me battre, mais plutôt prendre les chapeaux. Parce que les chapeaux avec les QTE et tout ça, j'ai pas envie de me casser la tête. Oh, un petit œuf, merci. J'ai pas envie de me casser la tête. Hop! Et sinon, j'ai une super bonne nouvelle aujourd'hui en plus à mon travail. Sérieusement, c'est vraiment cool là-dessus. C'est que mes boss, ils ont décidé de me donner congé lundi aussi. Donc en gros, j'avais juste simplement vendredi de férié. Mais ils ont dit qu'avec tout le moment de la pandémie et tout ça, puis qu'on travaille vraiment fort, bah, ils donnent un congé gratuit, payé à tout le monde. Ce qui est vraiment cool, sérieux. C'est la première fois de ma vie que j'ai genre mon employeur qui nous dit, bah, on vous donne une journée de congé. Quand même cool, tu sais, et puis en plus on est vraiment plusieurs. Peut-être que ça leur tentait pas de travailler, puis se sont dit, bon, ben on va donner un congé à tout le monde. Tu sais, je me plains pas, fait que je vais avoir un long week-end de 4 jours, c'est quand même assez cool. Je m'attendais à avoir 3. Et finalement, je vais avoir vendredi, lundi. Quand même bien là-dessus. Je veux pas me plaindre, mettons. Ouais. J'aurais peut-être dû récolter bien des trucs, mais finalement, on va y aller comme ça. Encore des lasers! Non, mais il faut arrêter les lasers. C'est bien au début, mais à un moment donné, ça suffit. Suffit les lasers. Ok, ceux qui sont au milieu, c'est quand même facile à
ronde. Je dis ça, mais la première chose qui arrive, c'est qu'en même temps, c'est qu'il y a des plateformes qui bougent, plus en même temps les lasers, plus en même temps faut que je saute. Beaucoup de choses à penser, à se concentrer. En plus, il y a du vide, encore plus plaisant. Vous connaissez mon fun fou avec le vide? Vraiment pas. Est-ce que c'est un boss? Ben oui. C'est vrai qu'on est rendu au deuxième mini-boss, c'est mini-boss, mettons, plus. Cool, merci Nice City de venir lorquer. J'espère que ton travail n'est pas trop complexe et que ça se passe bien. Si je peux sauter dessus, ouais. Mais c'est ça, j'espère que le travail n'est pas trop complexe et que tu vas pouvoir bien streamer après. Tu streamais quel jeu après par la suite? Ou du moins, qu'est-ce que tu pensais streamer? Ouais, 20 minutes, j'avoue que c'est quand même pas trop mal. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Valheim. Valheim, je pense comme ça que ça se dit. Ça a l'air quand même assez bien pour les gens qui aiment bien comme tout ce qui est un peu. Je dirais. Minecraft, c'est un grand mot, mais c'est plus, mettons. Lorqué. J'ai vraiment dit. Est-ce que j'ai vraiment dit lorqué? Oui, en même temps, c'est sûr et certain que si t'aimes toutes les jeux de survie. Ok, il y en a un autre qui me tire dessus. Ouais, je dois me rendre jusque où? Ok, je dois juste continuer. C'est bon. Mais c'est sûr que si t'aimes les jeux de survie et tout ça, puis t'aimes en plus qu'est-ce qui est Moyen-Âge, puis tout ça, bah c'est sûr et certain que t'aimerais bien. Là, je viens juste de voir qu'il y a une statue qui est à l'autre bout du monde là-bas. Est-ce que j'ai vraiment dit l'orqué? Ça se peut. Est-ce que j'ai dit c'est peut-être bien de lurker? C'est peut-être ça. Ou juste dire de lurk. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit ça. Très à revoir quand même. Peut-être que j'ai conjugué le verbe en disant genre je lurk, tu lurk, il lurk, nous lurkons, vous lurkez, il lurk. Peut-être. Peut-être bien. Je suis toujours en tant que tel de toute façon. Le mot lurk. T'as acheté une bouteille d'hydromel en plus pour la cause. C'est bien ça. Je sais même pas ce que c'est en même temps de l'hydromel. Dans ma tête, je suis comme d'hydromel, d'hydromel, d'hydromel. Je suis en train de penser, je suis comme. Ah oui, c'est le monsieur qui était tout seul. Ah ouais, donc en gros, c'est le vieux monsieur qui est en train de récolter tous les déchets que tout le monde laisse par terre et en gros, personne ne le voyait qui est en train de remâcher les déchets. C'est vraiment la tristesse. Mais en gros, il s'est senti invisible à la cause. Non, mais c'est triste. T'imagines que quelqu'un qui ramasse les déchets chaque fois et t'es même pas capable de prendre 2 secondes de ton temps pour le jeter dans la poubelle ou du moins le remercier qui est en train de nettoyer tout ça. C'est triste. Ça doit être un ennemi invisible, c'est sûr. Et ça ressemble à un Pokémon. Genre un Pokémon aspirateur. Ok, j'ai le truc pour être invisible. Et quel autre? L'aspirateur. Ok. Donc avec les deux, probablement que je peux faire quelque chose d'intéressant. Donc les bombes en tant que telles, je peux pas les aspirer. Les bombes sont beaucoup trop grandes, donc ça c'est impossible que ça soit ça. Qu'est-ce que je peux? Non? Non. Non, 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 non. Je l'ai quand même touché d'une certaine façon. Et c'est bien de lurker en mangeant. Ce que je fais aussi des fois de temps en temps, de juste comme regarder, parce que des fois j'ai... Des fois ça m'arrive que je regarde des streams, mais je parle pas nécessairement. Ça m'arrive des fois que je parle, tout dépendant qu'est-ce que je fais, mais des fois je fais juste mettre en fond. Mais je fais d'autres choses. C'est de l'alcool médiéval. C'est cool quand même, je savais pas. Je savais que le nom me disait quelque chose, mais je me souviens plus exactement c'était quoi. Ok, donc en gros, pour battre le boss, c'est que lui, il aspire les trucs. Pour après me lancer le truc sur la gueule. Comme ça. Vas-y, lance.
Ça fait exploser le truc. Ça fait ça. Ça sort la bouboule. La bouboule, je vois sauter dessus. Voilà. Donc ça, c'est une des façons que je peux battre le boss. La deuxième façon que je peux battre le boss, j'ai aucune idée, ça serait quoi? D'aspirer, qu'est-ce qu'il m'envoie? Peut-être. Pas trop sûr quand même là-dessus. Ce serait mon deuxième bête. Ok, j'avoue que s'il vient invisible, c'est pas une bonne chose non plus. Hein. J'avoue que je peux pas sauter non plus. Ah! Merde, 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 fallait que je saute sur une patte. Bon, allez, on va recommencer avec ces bombes. C'était pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Merde. Ok, si je me concentre bien, je peux peut-être lui lancer dessus. Merde. Bon, il va falloir que je me reconcentre encore une fois, quelqu'un qui aspire tous les trucs. Ou en tant que tel, je le laisse. Non, 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 je le laisse, je le laisse, je le laisse. Vas-y, lance-moi ça à côté. Parce qu'en gros, je connais les façons de battre le boss. Trois façons différentes. Il y a celle comme ça, il y a celle avec les bombes qui va me lancer par terre. Non? Attends, ok, j'aspire la bombe, ok. Par la suite, je vais faire quoi? Non, c'est tout de suite? Non. Ah, sûrement qu'un Casper ici. Ok, bon, c'est moi qui ai fait complètement le con. Faut que je fasse attention. Non! Ouh! Okay, j'ai eu le temps de traverser à moitié, mais pas non plus parfaitement. Ok, je vais l'avoir tapé d'une deuxième façon. Bon, finalement, j'ai pas fait les trois coups différents, mais ça va la prochaine fois. En gros, c'est quand il commence à aspirer que je devais lui lancer probablement la bombe pour qu'il l'aspire dans sa bouche. Là, ça va être le truc avec ses pattes, ou du moins les prises électriques. Voilà, il monte en plus ses deux points. On voit les petites bouboules. Merde, faut que j'aille de l'autre côté. Ok, ça j'ai pas le temps. Non, 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 non. Ah non, c'est parce que j'ai pas le tigre. Ok. Bon, on va pouvoir faire d'abord dernier truc. Faut que j'aspire une bombe. Bombe ici. En gros, c'est probablement ça. Je vais la garder jusqu'à temps qu'il commence à aspirer. Je pense que c'est là le bon moment. Vas-y, mets ton truc électrique. Vas-y, commence à aspirer. Voilà. Ah, oh, ça m'a touché en plus. Et où la bouboule? Hop! Voilà. On a 2 sur 3. Il y avait quand même la deuxième partie, c'était probablement avec le tigre qu'il fallait faire quelque chose. Mais ça veut dire que le tigre, faut le garder. Ce qui est quand même pas pratique, hein. Et là, normalement, on a fini les 12 niveaux. Mais là, je me pose la question si s'il y a un emplacement pour battre le boss final. Parce qu'en tant que tel, on a fait 12 niveaux avec des histoires différentes. Et j'ai pas envie de voir le vieux danser. Donc là, ça veut dire que tout le monde va le voir. Waouh. C'est si simple dans la vie quand même de mettre vos déchets dans une poubelle. Non mais à un moment donné, il faut pas trop en demander. Il y a des gens qui sont là pour vider les poubelles et tu t'es en train de me dire que tu aurais de la difficulté à juste mettre les déchets dans la poubelle. Mais le pire, c'est que j'y pense, c'est que ça m'arrive même moi aussi de mon côté que par exemple, je vois un déchet qui est par terre, ça va m'arriver des fois de le ramasser. Mais des fois, ça m'arrive que je le ramasse juste pas. Parce que je me dis que c'est pas ma responsabilité de ramasser les déchets des autres, parce qu'au final, si je fais juste ça, je vais juste ramasser les autres sans nécessairement que les autres soient assez intelligents pour se ramasser eux-mêmes. Ceci étant dit, c'est quand même bien de faire attention quand même.